Maintenant, il va falloir faire le boulot ici même sur la pelouse des Mégirales face à des Biterrois fortement réduits cet après-midi, qui envoie beaucoup de jeunes. On va voir comment va se comporter cette équipe biterroise qui a déjà son maintien depuis maintenant deux semaines. Le premier ballon avec les Catalans et Seb Descon. On écarte Genesis Mamé à Lemalou. Piocala, on veut mettre du jeu d'emblée là avec les arrières et le relais de Ali Paté Ratini. Très en forme Ali Paté Ratini depuis son arrivée à Perpignan. Joe Carlyle avec Romain Milochuski dans l'axe. Elles sont claires les ambitions catalanes dans cet début de match avec Joe Carlyle, l'anglais qui gagne quelques mètres le relais. La première pénalité de cette rencontre, elle est en faveur des Biterrois. On a bien défendu ici du côté des Héraultais au sol. C'est Joe Carlyle, le demi d'ouverture anglais, qui s'est privé de son soutien un petit peu. Et regardez le geste de Phoenix Beatty, le capitaine qui joue son dernier match. Phoenix Beatty, on va prendre la touche décomplexée. Cette équipe biterroise, c'est ce qui peut faire craindre à l'USAP. Et bien, un mauvais tour de la part de leur ennemi juré. Et ce premier lancé en faveur des biterrois. C'est Dorian Marcopena qui a effectué ce lancer. Ce premier groupe pénétrant qui se forme. On va pas avancer. Monsieur Descotes qui ne signale pas de faute. Allez, Julien Blanc qui va écarter. Les Biterrois toujours dans les 22 mètres. Avec Vitolio Manoukoula, le pilier droit qui bute sur le rideau sans et or. Et qui va récupérer ce ballon. Belle défense catalane sur cette première offensive biterroise. Et Mégiral qui a fait le plein aujourd'hui. Meilleure affluence de la saison. Plus de 12 000 spectateurs sont venus admirer, espérer cette qualification dans les dernières minutes de la saison régulière. Il faut dire que la saison de l'USAP a été un chemin de croix assez périlleux. Eux qui n'ont connu les phases finales virtuelles qu'à la première journée. Ils étaient cinquièmes au terme de la première journée. Et depuis, ils sont dans le ventre mou. Ils ont même été derniers à la fin du premier bloc. Et les Catalans qui, dans une course-poursuite effrénée, ont la balle de match. Très clairement, même si on répète, il faudra surveiller Colomiers et Biarritz. Cette première mêlée catalane qui avance. Avantage signifie Monsieur Descott et Sébastien Descon qui va la jouer. Joe Carlyle avec le 3 quarts centre, le meilleur marqueur de cette équipe. Sione Piucala, la transmission qui n'est pas assurée. Et on va revenir à cette première faute biterroise. Pénalité en faveur de l'USAP sur la mêlée. Allez, Joe Carlyle qui va pouvoir dégager sa formation. L'USAP qui, sur les 11 derniers matchs, a enregistré 8 victoires. Très très bonne dynamique des Catalans qui se sont toutefois inclinés à Oyonnax il y a 10 jours. Malgré un beau visage, pas de points ramenés de la part des Catalans dans leur déplacement chez les champions en titre, les Oyomènes qui soulèveront leur bouclier cet après-midi d'ailleurs du côté de Montauban. Jean-Philippe Genevois. Allez, le premier ballon, Genesis Mamé Alemalou. Joe Carlyle, il y a des espaces avec les Catalans. Andrea Kokadji, la transmission après contact. Julien Fornou, Mathieu Acebes. Et le premier essai de la rencontre inscrit par Mathieu Acebes. Quelle relance, quelle action en première main des Catalans. 4 minutes de jeu à Mégiral, 5-0 pour l'USAP.
5-0 pour les Catalans, en attendant la transformation de Joe Carlay. 5 minutes de jeu. Début de match, Tony Truant des Catalans qui, sur leur première offensive, ont ouvert la marque. Le coup de pied qui fuit les perches. 6 minutes de jeu à Aimé Giral. 5-0 pour Perpignan qui fait le boulot et qui est bien entré dans cette rencontre. Les Biterrois qui, malgré une première offensive, ont subi les assauts des 100 et or, très bien concentrés dans cette entame de match. Avec le renvoi des Biterrois, des jeunes Biterrois aujourd'hui, qui jouent décomplexés et qui vont tenter de créer le doute dans les esprits catalans. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ce nouveau ballon, Sébastien Descon, Jean-Philippe Genevois. Sébastien Descon avec Joe Carlyle, Sonia Pukala. Et on joue encore, on n'hésite pas à relancer de son propre camp là, de la part des joueurs de l'USAP. Seb Descon, petit côté avec Ali Pateratini, il a mis les cannes, Ali Pateratini, le 1-2 à destination de Sébastien Descon. Il est seul, il retrouve son soutien, c'est fait avec Julien Farnoux. Attention, on conteste des Biterrois, mais ils sont insaisissables les Catalans. Seb Descon, on écarte, Joe Carlay, il y a du monde, il n'a pas sauté. Cal Château, peut-être le doublé de Mathieu Acebes, non. Il est pris, il contourne l'ailier de l'USAP. Oh, ils sont insaisissables ces Catalans. Quel entame de match. C'est Sanquet, hors avantage en cours, signifié par Monsieur Descott. Joker Lyle, le petit coup de pied à suivre. Et ce sera bien couvert par Simon Tchevchenko. Et Monsieur Descott qui revient à la faute biterroise. Ils sont dans leur match, les Catalans. 6 minutes de jeu, 5-0 pour Perpignan. Et quel va être le choix des 100 et or, alors qu'un conciliabule va avoir lieu entre les deux arbitres, Monsieur Descott et son assesseur là-bas. Est-ce qu'on a vu un mauvais geste ou un acte d'anti-jeu de part et d'autre? On va le savoir très rapidement, alors que les Catalans étaient tout proches de marquer leur deuxième essai en l'espace de quelques minutes. Et Monsieur Descott qui appelle Phoenix Beatty, le capitaine biterrois, qui fait sa dernière. Tout comme Guillaume Villaseca qui va, semble-t-il, sortir ovationné au cours de la deuxième période. C'est le dernier escapé du titre de 2009 pour Perpignan. Guillaume Villaseca qui fait sa dernière à Aimé Giral. Simple réprimande sans doute. Et ce sera bien une pénalité pour l'USAP. Et le choix des Catalans, 7 minutes de jeu à Aimé Giral. 5-0 pour les 100 et or qui vont prendre la touche, bien sûr, ils le savent. Un succès bonifié, ils vont prendre même la mêlée à 5 mètres pour les Catalans. Ils ont dominé la première épreuve de force. Et ils vont insister là où ça fait mal. Et on va le vivre sur Eurosport, cette mêlée, introduction Seb Descon. L'USAP qui doit faire le travail, victoire ou victoire bonifiée impérative. Sept minutes de jeu, Aimé Giral et Perpignan qui a ouvert le score, vous l'avez vu il y a quelques instants, 5-0. Et la nouvelle action chaude pour les Catalans qui avaient bien failli trouver la terre promise pour la seconde fois il y a quelques instants, même si Mathieu Acebes a manqué le doublé. Adrien Descott qui est revenu à la faute, et regardez le choix des 100 et or, on vient prendre la mêlée à 5 mètres, 8 minutes de jeu, 5-0 pour Perpignan qui n'a d'autre choix que de s'imposer si possible avec le bonus offensif. Et pour l'instant, c'est ce qu'ils font les Catalans. Mêlée, introduction Seb Descon, c'est équilibré, la belle réponse biterroise, mais ce ballon qui va sortir dans les pieds, non, c'est une pénalité contre les Catalans qui manquent leur deuxième offensive chaude, alors que l'esprit du derby commence à se faire sentir, même si les Biterrois sont venus assez rajeunis. Et là, la petite faute de Julien Blanc qui commet un en avant. Il est allé un peu trop vite, le demi de mêlée Biterrois. Et regardez les deux formations qui s'échangent quelques politesses. Ça, c'est la dernière journée de Pro D2. Ça va un petit peu manquer pendant quelques mois, alors on en profite cet après-midi. 9 minutes de jeu à Aimé Giral, 5-0 pour Perpignan. Et la mêlée à venir
alors que l'arbitre de touche a tendu son drapeau. Que vont se dire les deux arbitres de la rencontre? On va appeler à nouveau Phoenix Beatty et Guillaume Villaseca. Ce derby qui est parti sur des bases assez effrénées, autant dans le jeu avec ce premier essai catalan que dans la tension. Et ce sera une nouvelle mêlée pour les Catalans. Deuxième chance, bis repetita pour l'USAP. Et on va pousser les plus de 12 000 spectateurs d'Aimé Giral qui sont au rendez-vous pour admirer et espérer une qualification cet après-midi. Introduction, Sébastien Descon à nouveau. L'épreuve de force précédente a été remportée par les Pitarois. Et la réponse, peut-être, descend et hors, ça se relève, le ballon est disponible. Avantage encore pour lui saper la pénalité. On est venu désaxer, signifie monsieur Descotes. Mathieu Acébès qui se précipite. Est-ce qu'on va la jouer vite ou est-ce qu'on va la reprendre? Et quelle entame de match. Quelle entame de match à Aimé Giral. Alors qu'on a un œil sur les autres matchs, bien sûr. Et Joe Carlyle qui trouve la touche. On n'a pas réussi à passer par la mêlée. On va prendre de la hauteur avec Jean-Philippe Genevois et les sauteurs catalans. Alignement presque complet. Si le ballon est capté, on va, semble-t-il, s'organiser autour d'un groupé pénétrant. Encore faut-il assurer ce lancer. Voilà qui est fait par Alice Trocoche. Et les sangs et or, la cocotte qui est mise en place. C'est bien désaxé, là, bien contré de la part des Biterrois. Il faut peut-être sortir ce ballon. Voilà qui est fait avec Seb Descon. Sonia Pio Cana qui refuse, qui retrouve intérieur Mathieu Acébès. Et le doublé de Mathieu Acébès. Dixième minute de jeu. Et voici le deuxième essai de l'USAP. 10-0 pour Perpignan. Ça va vite, ça va trop vite pour Béziers dans cette entame de match. Et le serial marqueur Mathieu Acébès qui en l'espace de 10 minutes et 2 points de plus inscrit par Joe Carlyle. L'USAP qui a pris 11 minutes de jeu mène 12-0 avec ce deuxième essai de Mathieu à CBS, les 11e et 12e essais des Catalans qui 11e et 12e essais du Catalan qui porte le score à 12-0. Pour l'instant, la mission de l'USAP est remplie alors que Béziers va tenter de revoir le jour dans cette rencontre, même si là tous les ballons sont en faveur des Catalans. Et la nouvelle percée de Seb Descon, bien repris par Sébastien Max. Le ballon qui est dans les pieds des sangs et or. Milochuski. Joe Carlyle. Et Sonny Pekala là, qui transmet à Andrea Quagaggi. La remise intérieure. Julien Farnou. Elle est belle cette équipe catalane. Elle joue après contact. Elle se donne corps et âme dans ce qui peut être sa dernière sortie de la saison régulière. On le saura au terme des 80 minutes en regardant le résultat de Colomiers et de Biarritz à l'extérieur. Joe Carlyle, les espaces secrets. Sonia Pukala qui est passé. Sonia Pukala encore avec Jean-Philippe, je le vois en force. Oh là là, impressionnant les Catalans. Les Biterrois qui prennent la marée. Seb Descon, Enzo Forletta qui crée un point de fixation et libère son ballon. Seb Descon, même sens. Avec Alice Trocoche, il y a des trous, il y a des espaces. Andrea Kokadji qui contourne, retourné là par son vis-à-vis. 13 minutes de jeu à peine à Aimé Giral et
les Catalans qui sont en démonstration et qui ont l'occasion dans quelques minutes sur cette offensive de glaner déjà le bonus offensif. Allez, Julien Farnou qui contourne. Et l'en avant de l'arrière de l'USAP. Attention à la contre-attaque de Béziers. On le sait, on le répète, ils ont leur maintien depuis deux semaines. Et ils vont jouer décomplexé cet après-midi, même si là, ils subissent très clairement dans cette entame de match et le dégagement du demi d'ouverture de la SBH. Et le lancer à venir pour Jean-Philippe Genevois et les Catalans. Nouvelle munition à 38 mètres de l'embut. Alignement un petit peu réduit là, semble-t-il, pour Karl Château ou Alasdair Strokosch. C'est l'Écossais qui, dans les airs, est le premier capté en deux temps. Seb Descon avec Enzo Forletta. Seb Descon, Joe Carlyle, qui envoie plein champ Andrea Cocatti. Il arrive à faire la différence avec son compère là. Sione Piukala et un petit en avant catalan. L'avantage joué. Et il joue les Bitarois. Et voilà, ils vont inscrire leur premier essai, le troisième de leur rencontre par l'intermédiaire de Sébastien Max. Et voilà, le contre dévastateur. Alors que là, au centre de la pelouse, c'est Enzo Forletta et Jordan Pouletoua qui se frittent un petit peu. Et c'est parti. C'est parti entre Bitarois et catalan au centre de la pelouse là. Monsieur Descott qui avait tendu le bras suite à l'en avant catalan. Les Biterrois qui ne se sont pas posés de questions. Et voilà comment Béziers inscrit ses premiers points de la rencontre. 15 minutes de jeu, 12 à 5 pour Perpignan, attendant la transformation de Julien Blanc face au Perche. Voilà qui est fait. Et après 16 minutes de jeu à Aimé Giral, Béziers qui retarde les plans de l'USAP dans la quête d'un bonus offensif et qui revient même dans cette rencontre avec cet essai planté par Sébastien Max, son troisième de la saison pour l'ailier biterrois qui enchaîne une deuxième titularisation à l'aile après celle de Vannes. Attention parce que les Biterrois, ils sont spécialistes des scores fleuves. Après avoir glané 8 bonus offensifs à domicile, et ils ont surtout la semaine dernière sorti Vannes 43 à 40 dans un rugby presque champagne. Peut-être que ce sera pareil là du côté des Mégirales. Thank you.
Les Biterrois qui ont réduit la marque avec cet essai de Sébastien Max. Ils jouent décomplexé, les Biterrois, et avec ce contre-attaque assez efficace, Jordan Pouletoua, Sébastien Max. Voilà comment les Héroltais retardent les plans des Catalans dans une course à la victoire et au succès bonifié. 18 minutes de jeu à Aimé Giral, 2 essais à 1 pour l'USAP et un 12 à 7 au tableau d'affichage avec cette pénalité à suivre pour les Catalans. Nouvelle munition dans ce match qui a démarré tambour battant. Et le choix des Catalans, il est bien sûr évident. Je ne sais pas si on va tenter beaucoup de coups de pied cet après-midi. Ce sera une touche. Une nouvelle touche pour l'USAP. Avec Jean-Philippe Genevoix au lancer. Alignement complet. Les Biterrois qui font plus que résister. Et attention à cette combinaison avec Karl Château. C'est récupéré par Genevoix. Alice Trocoche qui tente d'y aller tout seul. On est à 6 mètres de long but. Seb Descon, la défense et le rideau défensif. Biterrois qui est bien en place, bien imperméable ici. Seb Descon avec Tomasic, le pilier droit anglais. Mamé Alemalou, le point de fixation. Il se fait pressentir. Le troisième essai de l'USAP. Non, ce ne sera pas ici avec Piukala, bien chassé par Simon Chevchenko. Il est disponible ce ballon. Et Seb Descon qui éjecte. Choker Lyle avec Mathieu Acebès. Déjà hauteur de deux essais dans cette rencontre. Oh, l'offrande pour Julien Farnoux. Est-ce qu'il y a un mauvais geste là? Est-ce qu'il y a un plaquage sans le ballon? Ça se chauffe là avec Eloi Masso. Que de tension entre Perpignan et Béziers. Logique, vous me direz. Déjà parce que l'enjeu est de taille, mais aussi parce que c'est un derby, ne l'oublions pas, dans cette 30e journée de Pro D2. Et le carton jaune contre Eloi Masso, coupable d'un acte d'anti-jeu. Les Biterrois réduits à 14. Et qui vont souffrir dans les minutes qui arrivent. On va surveiller le choix des Catalans qui vont se retrouver en supériorité numérique devant. Et ce sera logiquement la mêlée. Ce sera la mêlée pour l'USAP. Mêlée à 5-6 mètres de l'embut. Alors que Jonathan Best tente de décrypter les consignes de ces deux coachs, David Girard et David Ocagne sur le banc. On veut la jouer à 8. Le banc de Béziers qui demande à ses hommes de jouer à 8. L'épreuve de force, voilà, c'est Sébastien Max qui est venu épauler en tant que flanqueur. Et Sébastien Descon qui introduit ce ballon et la pénalité pour l'USAP, même si ce ballon était sorti dans les bras de Béziers. Phoenix Betty qui est en discussion avec Adrien Descôtes. Et la première ligne rajeunie comme l'ensemble de l'effectif Biterrois aujourd'hui. Reda Vardy, Dorian Marco Pena, Victor Dreuil, Robin Olas, ils sont nombreux. Les jeunes Biterrois, Paul Champin, Hugo Rodor sur le banc, Wesley Douglas, Zakaria El Fakir également. Mais pour l'instant, ils tiennent le coup. Les Héroltais, avec cet essai planté il y a quelques minutes, on s'en souvient. Et cette belle contre-attaque conclue par Sébastien Max. Même si là, c'est un tout autre scénario qui se profile dans les secondes à venir. Aimé Giral qui va pousser. Christian Lantor à quelques mètres de moi qui est soucieux de cette action.
Allez, on interrompt à nouveau le jeu là, du côté du corps arbitral. Il ne faudrait pas que l'indiscipline se répète si Béziers ne veut pas évoluer à 13 contre 15. C'est pas ce qu'on leur souhaite aux Biterrois. Parce qu'ils n'ont pas besoin de ça, ils se battent avec leurs armes aujourd'hui. Eux qui ont fait un très très bel effort cette saison et qui sont revenus de loin. Ils joueront l'an prochain en Pro D2, les Héroltais. Et l'USAP qui a encore une chance de voir le top 14. Cette mêlée qui relevait beaucoup d'indiscipline là. Allez, Mégiral. Allez, 24e minute, 12-7 pour Perpignan, 2-1 pour les Catalans qui pour l'instant tiennent une victoire, pas bonifié, avantage en cours sur l'épreuve de force. On va écarter, si on est plus qu'à là qui capte mal ce ballon, mais il est toujours dans les bras des Perpignanais. Seb Descon, Carl Château avec Julien Farnoux, il y a des espaces, Julien Farnoux qui garde la balle et qui va se retourner et qui inscrit le troisième essai de l'USAP. Après 24 minutes de jeu, 17-7 pour l'USAP. Ils sont dans le dur, Béziers. Déjà réduit en infériorité numérique après le carton jaune d'Eloi Massot. Ils viennent d'encaisser leur troisième essai en l'espace de 24 minutes. Le tarif maison cette saison pour les adversaires de l'USAP à Aimé Giral, c'est 3,9 essais encaissés. C'est la deuxième meilleure attaque du championnat derrière le champion Oyonnax. Et ils le confirment cet après-midi en attendant la transformation de Joe Carlisle. 25 minutes de jeu, Joe Carlisle pour 2 points de plus, peut-être anecdotique, mais ça passe tout de même pour le buteur anglais. Et après 25 minutes de jeu, Perpignan qui mène 19-7, 3-1. Le succès se profile déjà, le bonus offensif n'est pas encore là. Et Béziers qui va, comme depuis le début de la rencontre, tenter de montrer un autre visage sur les moindres ballons qu'il a à négocier, même si là c'est récupéré par Mathieu Assébès, mais c'est une pénalité. On est venu gêner le réceptionneur biterrois. Donc là, Jonathan Best s'explique avec l'auteur des deux premiers essais de ce match, Mathieu Assébès, auteur d'un doublé en quelques minutes. Et le choix des Héroltais, il est très clair. On va aller venir jouer en touche et se lancer à suivre pour Dorian Marcopina à 10 mètres de l'embut catalan. Allez, les USAPIS qui vont repartir sur une mêlée là, qui suivent sans doute le score des autres rencontres. Donc peut-être le score
Ah, Guy Boniface, où c'est bien Ritz qui mène devant Mont-de-Marsan. Mauvaise nouvelle là pour les Catalans. Seb Descon qui introduit ce ballon là. Voilà, belle mêlée catalane en supériorité numérique qui va obtenir la pénalité fort logiquement. Et qui va aller investir la moitié adverse ou se rapprocher de la ligne médiane. Jean-Philippe Genevois au lancer sur la ligne médiane. C'est volé par Karl Château mais récupéré par les Bitarois. Avantage en cours après un avant de Rémi Bourdeau ici. Allez, Strokosch. Seb Descon, Joe Carlyle. On va jouer au large, peut-être un peu trop latéral ici, mais on va tenter de s'en défaire avec Ali Pateratini. Il a les cannes, Ali Pateratini. Il remet Andrea Kokadji qui crochette. Oh, le retour et le sauvetage là des Bitarois. Et quel retour défensif de la jeune garde héraultaise sur ce qui était presque le quatrième essai catalan dans ce match et celui du bonus offensif. Alors que on va repartir avec un lancer pour la SBH, toujours sous pression. Mais ils ont fait l'effort, très bel effort là sur Adrien Kokadji qui finit à l'essai. Et ce beau travail d'Ali Pateratini. Et ce ballon dans les pieds de Béziers qui va se dégager, le ballon qui va pas sortir hein, et trouver les bras de Julien Farnoux. Allez, il a du champ, l'arrière de l'USAP qui va affoler et qui perd ce ballon. Attention à la contre-attaque, ils ont marqué leur premier essai comme ça les USAPistes. Et Julien Blanc qui donne un gros coup de pied, très long, trop long peut-être, qui vient mourir en ballon mort. Que va dire Monsieur Descôtes? Et il va consulter le juge d'en but. Petit imbroglio sur cette action. Ah, ce sera une mêlée à l'endroit du coup de pied. Minutes de jeu à Aimé Giral, 19-7 pour l'USAP. Et une nouvelle belle munition à venir là pour les 100 et or, alors qu'Eloi Massot fait son retour sur la pelouse. Il avait encaissé un carton jaune. Seb Descon qui va introduire ce ballon. Et la belle offensive là des Catalans avec Mathieu Acebes. Ça joue au large. Joe Carlyle, Julien Farnoux et Ali Pateratini. Ali Pateratini, 32e minute. Le quatrième essai de l'USAP, celui du bonus offensif. Le travail est fait pour les 100 et or. Il n'a plus qu'à espérer que le sort leur soit favorable sur les autres pelouses. Même si bien sûr cette rencontre n'est pas terminée. Mais on voit mal au regard de ces 30 premières minutes. Comment Béziers peut inverser la tendance?
Les Béterrois qui sont sanctionnés à nouveau et qui vont même encaisser un nouveau carton jaune. Ou alors dernière réprimande là. C'est Eloi Massot à nouveau dans le collimateur. Perpignanais qui vont se donner de l'air à nouveau. Cette belle touche trouvée par Joe Carlyle. Lancé à suivre pour Jean-Philippe Genevois et les 100 et or. Allez, c'est bien capté par Alice Trocoche. Et le groupe est pénétrant qui se forme et qui avance. Genevois qui s'en extrait, le ballon est perdu. Attention à la contre-attaque biterroise, il a les cannes, Julien Blanc, il va aller tout seul, repiqué intérieur, c'est bien fait. Il est spécialiste de ce genre d'essai, Julien Blanc, il sert Simon Chevtchenko et ses trois quarts. Jordan Pouletoua qui va bien décaler Sébastien Max. Oh, renversé Sébastien Max par Adrea Kokadji. Quel sauvetage, même si là les Biterrois qui marquent leur deuxième essai de la rencontre. Ils ont su faire vivre le ballon, les Héroltais. Et c'est Jordan Pouletoua, le futur Montalbanais, qui vient planter le sixième essai de cette partie, le deuxième en faveur des Héroltais. Quelle action qui sera notamment marquée par un retour dévastateur d'Andrea Kokadji. Insuffisant tout de même pour annihiler cette contre-attaque, cette nouvelle contre-attaque des Héroltais. Ils le savent. Ils le savent, les Perpignanais, que c'est le risque aujourd'hui. Ils ont encaissé leurs deux essais comme ça. En attendant la transformation de Julien Blanc, excentré à droite des perches. 26 à 12 pour Perpignan à quelques secondes du terme de ce premier acte. Il vient flirter avec le poteau droit et entrer au milieu des perches.
37e minute de jeu à Aimé-Giral, 26-14 pour Perpignan qui perd son bonus offensif. Et du changement pour Béziers déjà dans ce match. Changement en première ligne. C'est Vitolio Manoukoula et Reda Wardi qui font leur sortie. Remplacé par Timothée Lafont et Zakaria El Fakir. Attention, les Perpignanais qui sortent un petit peu du match. Je ne sais pas s'ils sont au courant des résultats sur les autres pelouses, mais ils sont un peu moins concentrés depuis quelques minutes, les 100 et or. Ils viennent de perdre leur bonus offensif. Avec ce deuxième essai biterrois. Et là, petite approximation, nouvelle approximation de Joe Carlyle. Qui vient rendre l'introduction à Julien Blanc et aux Zérolté. Nouvelle épreuve de force avec les nouveaux piliers biterrois, mais il est bien sorti du côté des Sankeor. Là, ce ballon, le coup de pied intelligent de Sionier Piuka à la course. C'est Mourad Twizny qui tente de se défaire. Il va mettre les cannes, bien arrêté par Ali Pateratini, l'effort de la défense catalane. Et Mourad Twizny qui reste sur le champ de jeu. Attention au déblayage là d'Alice Trokoch qui est entré sur le côté, l'Écossais. Lui qui a prolongé une année supplémentaire, il a activé sa prolongation optionnelle à l'Estrocoche et il vient se mettre à la faute sur ce groupé pénétrant. Allez, on est entré dans la dernière minute de ce premier acte et le lancer en faveur de Dorian Marcopina et des Biterrois. On tente de mettre les Zérolté dans l'avancée, c'est bien fait, avantage en cours et la pénalité pour Béziers. Perpignan qui sort de ce match. Il y a une demi-ouverture de la SBH qui va trouver une touche intéressante. Ce sera, semble-t-il, la dernière munition de cette première période. Elle sera en faveur des Biterrois qui ne sont qu'à 12 longueurs des Catalans. Bien capté, le ballon est disponible et la sirène d'Aimé-Giral qui retentit. Ballon disponible pour Julien Blanc. Mourad Twizny, la belle transmission là avec Simon Tchevchenko, c'est un en avant. Oh, fort heureusement pour les Catalans parce que là Béziers revenait très très bien dans ce match. Et c'est la pause à Aimé-Giral au terme de ses 40 premières minutes.